Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le numéro 5 de la 2 chevaux AZLP, une voiture française de chez Citroën, de chez Hachette. Hein. Donc, là, on voit déjà ce qu'on aura un petit peu dans le fascicule avec notre montage. Et la 2 chevaux Azu, l'arène des petites utilitaires. Voilà, ça c'est très sympa. Et puis on peut la charger un peu, je crois que c'était de 16,4 de 300 kg. Voilà. Voilà, là on a bien sûr, toujours pareil, les reportages. Avec les deux chevaux, toujours pareil sur la même deux chevaux. Hein. Ça, la deux chevaux turbo. Alors là, c'est une voiture qui a été montée un petit peu avec des pièces un petit peu de tout le monde. C'est-à-dire, je crois qu'il y a de la. Mais là, il y a. C'est des pneus quand même de 250 R15 qu'il y a dessus. Donc il faut un moteur quand même pour la pousser. Où c'est que j'ai vu ça? Il y a des radiateurs d'huile, c'est d'une Mercedes 300 diesel. La pompe à essence et les vannes d'échange d'air Renault 5 GT Turbo. Bon, enfin bref, il y a aussi de la Renault Clio dessus, le turbo compresseur. Donc voilà, c'est une voiture qui a été remontée. Mais en plus de ça, on sait qu'ils disent ça. Voir, je pense, sur la page d'avant, atteint les 100 mètres, départ arrêté en moins de 10 secondes. C'est vraiment une voiture qui pourrait faire des rallyes. Il manque plus que les numéros et les sponsors. Voilà, là on arrive sur les pièces, la boîte à vitesse et la transmission côté droit. Alors, pour une fois dans ce genre de montage, on commence par le côté droit. On a toujours monté par le côté gauche, on commence par le côté droit. Ça c'est un peu bizarre. Ah, bon, enfin bref, ouais. Je dirais rien. De mieux parce qu'on commençait toujours par le côté gauche, là on commence toujours, là on commence par le côté droit. Voilà, là on a notre pas à pas, voilà, et puis notre résultat final toujours pareil, hein. Très bien, les images très bien expliquées, il n'y a pas de souci là-dessus. Très grosse vue des pièces, tac, tout ça. C'est super. Je sais pas si ça continuera, mais bon, pour le moment, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, bon, mais là, ça nous explique R à droite et R à gauche. Voilà. On va garder la page là, et puis on va passer au montage, puisque la phase 1 du montage est ici. Donc, zoom de remise au point, voilà. Bon, vous verrez pas celui-là, mais bon, c'est pas grave, on va le voir quand même, puisqu'on va récupérer cette pièce-ci, voilà, qui est celle-là. Voilà, là il y a un polygone six faces et avec des petits machins, on le met vers le bas. Voilà, on va prendre notre 5B. Notre 5B qui est celle-ci, la roue dentée. Tac. On vient la positionner ici. Voilà. Et par-dessus.
par-dessus, par-dessus, est-ce que c'est celle-là? Par-dessus, non, ce n'est pas celle-là. Tac. Ce n'est pas. Est-ce que c'est celle-là? Non, ce n'est pas. Non, c'est celle-là. Voilà. On vient positionner celle-ci. Voilà. Et là, on va y mettre. Ça me paraît bizarre. Ouais, voilà. On va y mettre deux vis AP. Alors aussi c'est pareil, les vis. Il y avait ça aussi que je voulais faire voir. Bon, ceux qui l'ont reçu, ils le voyaient aussi, ils ont vu aussi. Tout était arrivé dans des petits cartons. Et puis les vis aussi dans des petites pochettes en carton. Voilà. Petites pochettes en carton. Bon, c'est pas plus mal. Moi j'ai gardé pas mal de pochettes plastiques pour mettre mes vis aussi dedans parce que pour les garder. Donc du coup je mettrai dans des pochettes plastiques. Je mets tout dans des pochettes plastiques. Allez, je récupère les pochettes plastiques comme ça. Puis comme ça après je découpe la lettre puis je mets mes vis dedans. Je mets pas tout dans une seule boîte puisque après pour retrier c'est pas tellement pratique. Voilà, on en a fini pour cette étape 1. Et bien on va mettre maintenant celle-ci dessus. Voilà, là on a deux. Et alors celle-là, si on l'a gardée, faut qu'on la garde toujours dans le même sens quand même. Hein. Ouais, je pense. Voilà. Donc du coup, on va venir mettre ça là. Voilà. Et là, on a de la CP à mettre. Oh, je vais garder dans le même sens. Et là, on va mettre de la CP. Voilà, normalement, ce que cette pièce nous donne. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est la couronne, volant moteur, ça. Je regarde parce que la couronne crantée du volant moteur, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ensuite, on récupère, voilà, on en est là. Tac, celle-là. Et puis le croisillon, on récupère le croisillon. Alors là on a deux côtés courts, deux côtés longs. Voilà, c'est les côtés courts, c'est sur les côtés courts qu'on va, hop, voilà, sur les côtés courts que l'on va venir mettre deux vis AP. Voilà, donc ça fonctionne un peu, voilà. Ensuite on récupère celle-là, non pas du tout, celle-ci, voilà, puis pareil on va venir mettre dans les trous ici, voilà, et puis on va y mettre aussi deux vis AP. Voilà ce que ça peut nous donner. Voilà. Tac. Voilà. On a notre carène qui est prise. Ensuite, on met le petit soufflet là. Tac. Voilà. On met ce soufflet là. Tac. Et on en a fini pour ce fascicule. Donc, voilà les pièces qu'on va avoir.
Voilà, sur ce fascicule, on a ça. On garde ça de côté, évidemment. On garde celle-là de côté et celle-là qu'on a faite avec le roulant moteur. Voilà. Donc, zoom, c'est plus militaire pour les pièces. Bon, si on peut arriver, si je peux arriver. Voilà, allez, ça nous prie. Voilà, et bien on en a fini pour ce numéro 5. Voilà. Un petit mot sur voilà, parce que Titi Chloé m'a demandé où c'est que tu avais trouvé. J'essaie de lui répondre, je me rappelle plus trop où c'est que tu avais trouvé, mais je crois que c'est dans les grandes surfaces quand ils font des rayons en carton là, où il y a des trucs à 1€, 2€, voilà, c'est là-dedans que je crois que je l'ai acheté. Et c'était avec une avec sa boîte évidemment. Hein. Voilà, c'était comme ça. Voilà, c'était la boîte, hein, voilà, de ça. De cet électro, il me semble bien que c'est là-dedans, c'est dans les grandes surfaces, quand ils font des rayons en carton, là, où il y a des trucs à 1€, 2€, machin, tout ça. Je crois que c'est là-dedans que j'avais acheté. Voilà, c'est quand voilà, je vais en grande surface, ici, à ça, et on fournit qu'un peu, on fournit, et puis voilà. On fait des fois voilà, des petites affaires comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Titi Chloé. Voilà. Et si le voir la vidéo bien sûr de la deux chevaux. Voilà, et, en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos. Et à tous, portez-vous bien et allez, salut.